mon iPhone. Ah, c'est parti. Ou pas. C'est plutôt ou pas. Bon, il se passe quoi là? 10 ans pour ouvrir un jeu en 2D qui date de 2000. S'il vous plaît, on se dépêche. Ah, en espérant que ça ira bien au niveau du son. Par contre, je sens qu'au niveau des musiques et tout, ils vont me striker la gueule. Parce que, évidemment, hein, vu que. Putain, mais. Au secours. Merci. C'est bon. Alors, malheureusement, le jeu est en français. Malheureusement. Si quelqu'un sait comment mettre le jeu dans une autre langue. Moi, je veux bien le mettre dans une autre langue. Parce que là, c'est. Ah, c'est pas super super. Bon. Je viens tout juste de commencer le jeu, hein, donc. Y a beaucoup de choses que je comprends pas encore. Tale moko nai to omoimasu. Aratamemashite. Aratamemashite. Ninen no kōra yori desu. Oui. Au revoir. Commencer mission. Avec notre ami Gundam. Qui n'est déjà plus un Gundam. Il a dans le dos donc le je sais pas un peu comment ça s'appelle, le jet en fait de Zeta. Et j'ai les jambes en fait de. J'ai oublié son. Barbatos. Watashiwa. Watashi no hokori tame ni tatakai. Ok, c'est bon. Alors, ce qui est chiant, c'est que le jeu, je trouve pas super super maniable encore. Mais bon. Détruire 20 unités, ok. Ah, d'accord. On n'y comprend rien du tout, c'est pas grave. Que de fun. Je viens de perdre mon sabre laser en plus. Putain, mais on n'y comprend rien du tout. Oh, oh là là là. Je vais crever. Je crois que c'est lui en fait qui avait mon sabre. Et ouais, là, il vient de me tuer. Ah, mais pourquoi en fait? T'es qui toi? Ah, ça y est, j'ai retrouvé mon sabre. Quand on meurt, donc apparemment, on retrouve toutes nos armes. Bim! Voilà. Vous allez être content. Récupérer 3 pièces. C'est ça les pièces? Putain, décidément.
J'arrive pas à choper. Putain, il y avait pas un sabre ici. Oh là 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 là. Putain, mais il n'y a pas d'armes. Ça a bien changé hein, par rapport aux autres Gundam. Par rapport aux autres builders. Détruisez le gun cannon. Par contre ça c'est des trucs, mais je trouve ça mais d'une divinité profonde. Parce que bon, je sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas les Gundam qui vont acheter ce jeu là. Mais genre battez les gun cannon, comment on peut savoir ce que c'est un gun cannon pour ceux qui n'ont jamais vu Gundam? Enfin c'est... Après bon, c'est vrai que je pense pas que quelqu'un qui n'a jamais joué à un Gundam, enfin vu un Gundam, va essayer de jouer à ce jeu, parce que c'est vrai que c'est assez... C'est très niche. Hein. Récupérer 3 pièces. Qu'est-ce qui se passe, putain? Merde, j'ai oublié de faire ma furie. Ok. Ok. Je peux plus bouger. Waouh, c'était fun. J'avais perdu mes jambes en plus. Ah, et bien dis donc. Ok, donc ça j'ai déjà, donc ça va être vendu automatiquement. Et bon, pour l'instant, j'ai pas de pièces extraordinaires. Donc, ça. Konkai wa na. C'est vrai que pour l'instant j'ai connu mieux hein, comme jeu Gundam. Même les anciens Gundam Breaker étaient mieux. Celui-là, ses missions, elles sont pas top top. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu pour les missions, mais c'est une très mauvaise idée. Ok, elle est à gauche. Je t'ai vu. On se croirait dans League of Legends mal fait avec les Gundam. Gunpla. Voilà. Vu qu'on augmente de niveau pendant la mission, enfin c'est extrêmement chelou quand même hein, comme système de combat. La caméra est pas top aussi. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal. Elle veut pas locker automatiquement les ennemis. C'est un truc de fou. Là genre elle lock pas l'ennemi. Pourquoi? On ne le sait pas. Et là elle lock. Ok. Cool. Quoi? Waouh, on a des ailes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Briser 10 conteneurs. Mais non, mais dégage.
Détruisez Gundam, détruisez Gian. Ok, faut détruire les Gian. C'est les machins avec les boucliers chelous. Non, faut détruire Blitz. Quoi, récupérer 3 pièces? Oh, putain la vache. Non. On m'a piqué mon bouclier. C'est eux qui l'ont eu? Mais non. Cool. Cool. Waouh, on est à poil. On est à poil. Oh, un rank. Ah non. Comment c'est possible? Nouvelle aptitude, cool. Gelgoog. Ah, c'est le Beam Naginata. Ah, ça va être sympa, ça. Ça, ça va être sympa. Oh là 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 là. Deux scénarios. C'est de la folie. Ils ont mis les moyens là. Construction machine gun. Franchement non, forage, je sais pas. On va garder notre tête de Gundam. C'est quoi ça? Ah, c'est la partie centrale. Niveau des bras. On est joli comme ça. Gundam. Donc là, on peut voir aussi ce qu'on a comme compétence sur le comp EX. C'est le truc AB, réacteur, défense. Ok. Putain, les jambes. Ah ouais, bah c'est le truc de Barbatos Supus Rex. Non, mais c'est pas une arme ça! Putain, c'est le backpack! Mais tu déconnes. Franchement, au niveau des compétences. Aide Vulcan. S'ils veulent. Ça, ça marche pas. Burst Breaker, ok. Se protéger, ok. Ok. Ouais. Bon, on va continuer. Hein. En attendant d'avoir de meilleures parties de Gundam, parce que là, franchement, c'est pas top top. Hein. Allez hop, c'est parti. あの田舎の人たち手加減とかしないんだもの。
C'est énorme, avec la couleur rose parce que c'est une fille. Oh là là. Putain, les maps elles changent beaucoup, vous avez remarqué ça? C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Briser 10 conteneurs, ok. On est tout seul? Ah, c'est déjà mieux quand on est tout seul. Tu as pas l'équipe en face. Faut que je change la vitesse de la caméra parce que là... Là c'est avec la souris mais avec le stick c'est d'une lenteur. Oh oh. Détruire 15 unités, moi je veux bien y détruire mais... Ok. Merde, je suis trompé. Non mais pourquoi tu choisis des ennemis qui sont super loin quoi? Oh mon dieu! Vas-y, tue les Gundam là. Mais lol. Apprenez à loquer des ennemis quoi. C'est Arthur dans son garage qui a fait le jeu en fait. C'est ça. Il était tout seul. Faut comprendre, c'est un jeu indé en fait ce Gundam. Pour ça il y a quelques bugs mais... Ok, il veut pas se relever. Commencer la quête principale. Ok, pas de soucis. Récupérer la pièce essentielle Gelbug. Ok. Mais c'est lui en fait. Voilà, ça y est. Ah, voilà. Bah oui, mais je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est fun? On s'amuse! Victory Gundam, ouais. Mais c'est pas Victory Gundam, lui. D'accord. De toute façon, je vois pas pourquoi je l'attaque avec mon sabre vu que mon laser il fait des dégâts mais beaucoup plus élevés quoi donc c'est débile quoi. Non. Vite, tire. Tire. T'es mort. T'es mort. Ah bah voilà. Mais c'était lui, Victory. Ouais. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de rangs apparemment. Hein. B-A-S. Un rang bas. GM, Serpent Custom, Zaku Machine, Gelgoog de Johnny Rhythm. Haute mobilité.
Le Gelgoog. Elle pourrait jouer dans Dead or Alive, elle, avec sa voix. Oh là là! Il y avait trois missions en fait. Mon Dieu. Pourquoi ils essayent de faire des histoires, des jeux qui n'ont pas besoin d'histoire? Incompréhensible. N'est-ce pas grave? Ah putain le con, j'ai oublié de changer la caméra. Ah, elle est toujours oscillante. Ah mais attendez, c'est la même quête ou quoi? C'est quasiment la même quête, con. Saute de ma gueule. Ok, on les tue en un coup. Ok, la même quête. C'est bien. Tu peux regarder derrière toi, s'il te plaît. Marque dessous. Ah putain! Venez ici. Non? Oh là là! Ah oui, bien sûr. On n'est pas dans Call of Duty, mec. J'ai peut-être un meilleur bouclier. Principal, détruire. Ok. Ouais, par contre, l'autre en haut, il est où? Du red frame. Où est le red frame? Il est là-bas. Voilà. Ah, le voilà. Notre ami qu'on doit tuer depuis tout à l'heure. J'ai pas énormément de boost. Donc on peut pas le suivre beaucoup. C'est trop rapide. Putain, je prends la chaise en plus, enfin le tabouret. Ah, ok. Je suis éveillé. Ah, merde, lui il faut le tuer. C'est Victory, non? Voilà. Bon, par contre, l'autre. Il est passé où? Il est là-bas. Est-ce qu'il va venir? Non, il vient pas. Oh putain.
D'accord. Est-ce qu'au bout des 5 minutes, on lui aura fait assez de dégâts? Et le fusil laser qui se recharge. Putain, on s'amuse. Oh 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 oh! Incroyable. Je sais pas trop si c'est Tanoshi ou pas, mais. Eh ben dis donc. Ça fait peur. Putain, on a eu un rang A! Récupération de la propulsion, c'est très très bien. Si c'est passif. Gundam F91, Gundam Mark II. Ah, Astray Red Frame, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Nandaka, koshite kimi to issho ni battle shite ru to mukashi no koto iroiro omoidashichau na. Ano koro yoku issho ni ganpura tsukutte. On va passer parce que c'est nul. Bon, apparemment, il n'y a que notre ami Yui, les autres on peut pas les prendre. Alors, paramètres, est-ce que je peux changer la vitesse de la caméra? Déplacement vertical de la caméra, ça me s'en fout. Sensibilité de la caméra. On va mettre à 80, vu qu'à 50 c'est très lent. On va mettre à 75, allez, on va être gentil, ouais, on va être fou. Est-ce que on change? Putain, j'ai que des machine guns. Celui-là il pourrait être sympa, mais j'ai pas l'impression que ce soit une bonne idée au niveau de la tête. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Ah, Mark II. Mon dieu, quelle horreur! Quelle horreur! Il ressemble à rien du tout. Ah, ah c'est bien sa capacité de propulsion plus 600. On va prendre ça. Mega Machine Cannon en plus. C'est bien. Gelgoog. Non, ça c'est toujours la même chose. Je crois pas qu'on ait eu autre chose. Voilà, c'est toujours les trucs. Ouais, on s'en fout, on s'en fout. Mega Machine Cannon. Et ça, ça fait quoi du coup? Prends le contrôle à distance de conteneurs situés. Ok. Si tu veux. Burst Breaker, on l'a toujours. Action Boost. Ok. Ok. Sauvegarde. Qu'est-ce qu'on est classe! Mmh. Elle est pas mal comme ça. Quoique non. On va pas toucher. Non! Mode solo. Voir Madame Yui. La gueule putain de notre gunpla. Oh c'est énorme. J'aurais dû laisser la scène. Ah bah enfin. Un autre décor. Ah, ça fait plaisir. Oh, c'est rapide. C'est peut-être trop rapide là par contre. On le baissera à 65. Non mais là c'est bien, c'est rapide. J'aime ça.
Je sais que tu n'as qu'une phrase à dire, hein. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Détruire 20 unités, ok. Bon, bah, moi je m'occupe de lui, hein. Occupez-vous des unités. Oh putain. Je crois que j'ai plus de tête, j'ai plus de bras, je sais pas. J'ai plus de jambes aussi. J'ai tout perdu là. Putain, il a repris sa vie, le bâtard. Mais là... Mais... Ok. Putain, c'est vraiment le bordel. Hein. Les conteneurs, ouais, les conteneurs. Mais arrête de me suivre, toi. Non. On va reprendre un petit peu notre corps. Oh la vache. Qui ça? Ok, il y a le bouclier qui est en train de rouler, c'est énorme. Énorme. Putain, mais tu as arrêté de me suivre, oui? Voleur de compétences. Ok, si tu veux. Putain, la caméra est trop rapide. Hop. Y a pas de conteneur, putain. Y'a pas de conteneur, bordel. Putain, mais ils sont à Tombouctou, les conteneurs. What? On est où, là? Ok. Ah, c'est bon, on l'a eu. Détruire la cible, récupérer 3 pièces. Bon, récupérer 3 pièces, on va le faire. Une. Deux. Je sais pas pourquoi ça marche pas, mais c'est pas grave. Putain, pourquoi ça? C'est un Gundam Virsago. Ouais, on peut prendre des cheveux. Bon, par contre, j'avoue que j'ai pas compris leur truc de coffre là. On peut récupérer des points des ennemis. Je sais plus ce qu'il disait. Oh le con. Oh non, pas lui. Oh non, pas lui. Pas Big Zam. J'ai plus de bras. J'ai perdu mon sabre laser. Ok. Ok. Ah merde. Vite. Mais non. Elle est où? Chop. Merci. Non. Mais non. What? Non. Ok. Pouh.
Ah, c'est chaud du cul. Hein. Putain, encore un. Encore un. Victory Gundam. Oh, ça peut être sympa. Gundam Virsago. Ouais. Molitaku. Mais what? Hein? J'ai rien compris. En fait, quand on appuie sur A sur les missions bloquées, ça les débloque. Quel est l'intérêt du coup de bloquer les missions si quand on appuie sur A, ça les débloque direct? C'est pas grave, c'est pas grave. Mettre ça à 70. Configuration, on va changer un petit peu notre Gundam si on peut. C'est peut-être au niveau des bras. Ouais, là c'est chaud. Ouais, ça change pas trop. Hein. Ah, c'est pas top. Ouais. Imagine qu'une fois qu'on aura le truc de justice, ça ira mieux, mais bon. Ouais, je vais faire mode solo. Bah... On va essayer Yoli du coup. On va bien voir. Ok. Putain la gueule. La gueule qu'on a quoi. Ah, ça nous avait manqué, tiens. Bon là c'est un petit peu mieux pour la caméra. Peut-être un petit peu rapide encore un tout petit peu. Mais ça va mieux. Merde. Un peu mieux à comprendre. Ah d'accord, c'est pour ramener les pièces apparemment. Attendez, je crois que je viens de comprendre un truc là. Genre ça. Ah d'accord, c'est comme ça que ça marche. Bon, maintenant, comme ça, au moins, on le saura.
Ah d'accord, et une fois qu'on a fait le coffre, ça réapparaît mais autre part. D'accord. C'est qui Zuda? Ah oui, les Zuda, ouais, c'est les trucs qui vont sous l'eau, je crois. Zuda. Ah ouais, c'est eux. Bonjour Zuda. On va ramasser des parties du coup. Tu peux mourir aussi. C'est une option, mais tu peux mourir. Ok. Oh, des jambes. On va aller à notre coffre, tiens. Oh putain, mais il change. Ah d'accord, il change de place ce coffre. Par contre, ça va être chaud, ils sont tous en train de me suivre donc. Ah merde! Est-ce que ça marche? C'est un combat de boss? Ah ouais, c'est comme ça que ça marche en fait. D'accord. Putain, la musique. Cette musique de ouf. On va essayer avec elle. Allez, madame. Les quêtes de récupération de pièces. Ok. Ah ok. L'IA est pas très intelligente. Par contre c'est chelou parce que c'est toujours la même chose au début d'émission, c'est toujours les containers. Pourquoi pas? Ah c'est ça le machin? Putain c'est pourri en fait. Le canon qu'on a sur la poitrine. C'est de la merde. Merde, on peut pas monter. Tant pis. Encore un. Nous sommes le senpai. Mais pourquoi tu prends? Pourquoi à chaque fois il lock l'ennemi le plus loin quoi? Qui est le con chez Bandai Namco qui a pensé que locker l'ennemi le plus loin à chaque fois c'était intelligent? Ah d'accord. Voilà. Hein. Notre coffre. Merde, y'a des Galgoog. Ah, le con. Attends-moi le coffre. J'arrive. Oh putain, y'a Gis. Mais non. Ouh, c'était chaud. Y'en a pas un qui est spécial là ou je sais pas quoi? Non? Non. Tu peux te relever aussi. Oh il est là! Oh non, Aegis!
Merde, non, non. Non, Magus. Oh putain, mais le système de lock de mes couilles. Oh putain, mais... Faut qu'ils fassent en fait des séjours en Europe, les Japonais, parce que au niveau de la création de jeu, ils sont dans les choux. Hein. Putain. Oh, c'est le bouclier d'Aegis ou... Mais pourquoi tu le prends pas, Mongol? Prends-le! C'est pas vrai, ça. Ah. Oh, Impulse. Merde! Ah, d'accord. Il est où le coffre? Putain, je le sens mal. Non! D'accord, donc elle aussi, elle peut m'aider en fait. C'est un perfect grade. Aïe. Oignon. Il est où? Il est là! Ah merde. Je crois que la dernière partie, je l'ai pas eu. Merde, j'ai pas vu l'aptitude. Putain, on en a eu pas mal. Ah ouais, donc c'est comme ça que ça marche. Il faut les envoyer dans le coffre parce que sinon, ouais, on n'arrivera pas à avoir de partie. Bon bah c'est bien là. Ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Parce que j'avoue, au début, ça l'était pas. Hein. On s'en fout de ce que tu dis. Je crois qu'il y a une boutique, non? Ouais, c'est ça, ouais. Il y a une boutique qui coûte extrêmement cher. Perfect Gundam. What? C'est quoi cette horreur? Gundam Barbatos Lupus Rex. Astrae, Aegis, Versago. Putain, Versago, il est un petit peu chelou au niveau des couleurs. What? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi c'est le seul qui a des couleurs cheloues? Nobel Gundam. Tous les autres, ils ont des couleurs normales, mais le Virsago, il a des couleurs cheloues. Victory Gundam. Ouais. F91, ouais. Zeta, bon, Zeta, on a son truc là dans le lot. Mark II. Ah, Gelgoog, j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir son arme en fait. Mais est-ce qu'on prend... plutôt celui-là. Le Beam Naginata. Ça coûte la peau du cul. Mais c'est le même prix en fait. 100 000. Autant prendre celui-là. Hein. Parce qu'après les autres, je pense pas qu'ils ont... C'est quoi son arme déjà lui? C'est la grande épée là. Ouais. Je sais pas si elle est bonne. Hein. Putain, ça me fait chier de payer 100 000 pour ça. Quoi? Une grenade d'unicorne. Oh, c'est énorme!
Le grand booster de unicorn, full armor, unicorn Gundam, RX 0. Réduit légèrement la vitesse de déplacement. Ok. Dragon Gundam, Aegis Gundam, Gundam. Ouais. Bon. On va rester comme on est hein, au final. On va juste regarder au niveau de la configuration encore. Parce qu'on a eu de nouvelles parties. Bon, au niveau des armes, on a toujours rien. Ça me fait chier, putain. On a toujours notre beam, quoi. Bon, c'est pas grave. Ok. Oh! C'est bien ça. Très bien ça. Mais quelle horreur. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je crois que c'est le truc le plus moche qu'on peut créer là. Course en garde. Ok. Lancer de bouclier. On va faire lancer de bouclier. Va confirmer, mais j'ai pas fini. Backpack. Non, j'étais au bouclier. Attends, non, backpack. Ouais, ça m'étonnerait. Ouais. On n'a rien de mieux que notre truc du Zeta. Du coup, maintenant, on a contrôle ouvert, RB, field defenseur. On a toujours le beam saber. Hand grenade. Ok. Action boost et lancer de bouclier. Ok. Ok, ok. Et... est-ce qu'on peut rebaisser la caméra un petit peu? On va mettre ça à 65. Voilà. Je pense qu'on est bien. On commence à comprendre comment ça marche. Non, on est bien. Et toujours avec Malika. Avec notre super Gundam. Horrible. Oh putain. La gueule qu'on a. Ah mais c'est toujours 10 conteneurs au début. C'est bizarre ça. Donc bon du coup ça nous fait gagner un petit peu d'XP, on augmente de niveau mais... ouais je sais pas. Je suis pas fan de ce nouveau système de combat quoi. C'était mieux dans les anciens Gundam Breaker. Je vous ai vu les gens. Les ennemis qui apparaissent 10 ans plus tard sur la map aussi, c'est pas mal. Oh, il y a une arme. Ah, non. C'est que des armes à distance, putain. Il n'y a aucune arme au corps à corps. Hein. C'est dingue. JM Custom. Ouais. Ok. On va passer par là, si on peut. Ouah, c'était chaud. Mais par contre, là, je peux plus... putain. Mon truc de boost est trop faible.
Faire quoi? Détruire 15 unités encore? Ok. C'est Blitz? Ah non, c'est Duel. L'attaque du bouclier! Ah non. J'ai pas pu. Ah, ça, c'est vrai que les compétences, c'est chaud parce que. Ouh! T'as droppé quoi? Ta tête? Ok. La tête d'Impulse. Mourir. Oh putain, oh putain, il y a c'est Blitz justement lui. C'est ça? Ah c'est ça. Ouais. Blitz Non, mais putain, mais putain! Je vais te buter, saloperie. Allez vite! Voilà! Et tu sors d'où toi? Oh! 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 On a un Beam Saber! Un nouveau Beam Saber! Alors là, faut pas mourir! Mourir, hop, on ramasse ça au passage. Mais putain, Ptolémie, je crois que c'est Ptolémie qui nous tire dessus. Cette saloperie de Ptolémie, quoi. Allez, hop, et tout ça dans le coffre. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah, ça fait du bien. On aura peut-être une nouvelle arme. Vous êtes un petit peu nombreux là. Ok. Frapper dans le vide, j'adore. C'est mon dada. Bon allez, on va aller buter Ptolémie parce que. Non, on va aller buter Ptolémie. Hein. On va aller buter Ptolémie. D'accord. Je veux pas le lock. Il est où? Putain, mais c'est une blague. C'est quoi ça? Aegis Gundam. Mais non! Ta maman! Il est où le coffre? Oh putain, mais il est là. Le con. C'est qui lui? Ouais, c'est bien. C'est bien d'avoir tes qui partent, mais. Putain. Ah! Ouais. Bon, là, au niveau des qui partent, on est pas mal. Hein. On en chope plein. Voilà. Bon, par contre. Est-ce que je peux. Voilà! Lock-le. Ouais, parce que là, au niveau du temps, on est un petit peu chaud. Trouver et briser le conteneur caché. Ah bon. Il y a des conteneurs cachés. Oh, putain la vache. Elle a réussi à trouver le conteneur caché. Mais putain.
Allez, meurs. Merci. Voilà, on se redonne de la vie. Elle est où notre pote? Qu'est-ce qu'elle fait? Allez, on l'a quasiment là. Putain, surcharge! Allez, vas-y, fais une attaque! Est-ce que j'ai mon truc pour lancer mon bouclier? Ah putain, j'ai pas encore lancé le bouclier. Tiens, le strike. Oh là 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 là. Mais tire, tire pas en haut comme ça. Bim. Putain, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Ah d'accord. Ah d'accord. Ok. Putain, il reste plus que 28 secondes, mais il est mort! Mais vite! Mais putain! Le truc qui veut pas loquer, il est où le boss? Eh ben dis donc! Oh là là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Eh ben dis donc. On en a eu des pièces. Là, c'est jackpot quand même. C'est une bonne mission pour les pièces. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Ah, bah voilà! C'est déjà mieux! Là, on a toujours que de la merde. Bon, par contre, si Blitz, c'est la même chose, on va prendre la tête de Blitz, hein, parce que j'avoue qu'on a une tête de merde. Au niveau du corps, est-ce qu'on a un truc? Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Gundam qui ont une capacité de propulsion assez importante. Sans s'appeler de justice, à mon avis. Ouais. Donc, ouais, ça, on va être obligé de laisser Gelgoog. On peut prendre Duel. Duel est déjà plus esthétique. Ouais, Gog, pas trop, non. Putain. Comment il arrive à tenir le fusil, enfin, le laser beam avec une pince, quoi. C'est pas logique du tout. Les jambes. Au niveau des jambes. Putain, tu déconnes. Vitesse de déplacement. Défense un petit peu. Ouais, on va enlever un petit peu de défense. Non, non, retour. Au niveau du backpack. Ah. Ah bon. Ah bon, c'est la même puissance.
Ouais, non, non, c'est la même chose. Et au niveau du bouclier. Donc ça, c'est nouveau bouclier attaque longue distance tornade. Pourquoi pas? On verra ce que c'est. Ça, c'est quoi? Est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est des trucs passifs, en fait, ça. Quoique, ça change ou pas? Ah, ça change! Ah, ça change, mais ouais, c'est des trucs passifs, je pense. Ah, ouais. Réduit légèrement les dégâts. Non. Augmente. Ouais, mais c'est pas... C'est pas des trucs top top, quoi. D'accord, on va lui foutre le truc de Gundam Unicorn, ouais. Effectivement, c'est une bonne idée, hein. Très bonne idée. Ouais, c'est que des trucs un petit peu merdiques. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Là, on a antenne. Ok, si tu veux. Ah, d'accord, quand les ennemis sont trop loin, ils apparaissent pas sur la map. D'accord. Augmente momentanément la puissance défensive. Bon, ça, on l'a toujours. Donc, c'est RBY. RBV. Ok. LBX. Ok, c'est la même chose. Faire rapidement pivoter le bras de la taille d'un bouclier sur sa base pour générer une tornade. Faire rapidement pivoter le bras de la taille d'un bouclier sur sa base pour générer une tornade. Ok, j'ai rien compris à ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Donc on va continuer. La prochaine mission, non. Alors mode multijoueur, c'est quoi en fait? C'est vraiment un menu multijoueur. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent au jeu? Je ne suis pas sûr. Scénario 2. Mon dieu, mais qu'est-ce que ça a l'air d'être nul l'histoire? Oh! Qu'est-ce que ça a l'air d'être nul? Ah, on est déjà un petit peu plus classe quand même que tout à l'heure. Non mais c'est une blague. Oh là là, mais c'est le même type de mission quoi. Meurs, Shogo! D'accord. Je sais pas si c'était un bug ou... Mais bref. Au Japon, en fait, ce Gundam, il a un nom. Parce que Gundam, donc c'est son nom en français, anglais, ici si vous voulez. Et au Japon, il s'appelle Xoge, en fait. C'est son nom. Voilà. C'est le nom japonais de ce Gundam. Si vous allez au Japon, que vous voulez acheter ce Gundam sur PlayStation 4 ou sur Steam, vous pouvez demander aux Japonais, je veux jouer à Xoge, et ils comprendront tout de suite.
Bon, je vais crever. Donc en fait, bon, Xogé, ça veut dire jeu de merde. Mais comprendront, ne vous en faites pas. Oh, un bim. Vire salut. Le coffre est en face. On vient de le tuer. Oh putain, ils sont devant nous. Sans deck. Détruire 10 conteneurs, ok. C'est parti. 4. 5. Oh Gundam Physalis. Attaque nucléaire détectée. Ils sont où les conteneurs? Putain, pas de conteneurs. Ah voilà un. Oh oui, on l'a. Ouais. Mon petit part, c'est là-bas apparemment. Mais non. C'est lui que je veux là. Putain, mais dégage, log de ta mère. C'est franchement un log de merde. Oh, putain, mais le mec qui a inventé le log de ce jeu. Putain, mais il mérite pas de vivre. Comment c'est possible d'avoir des stagiaires qui font des logs pour des jeux comme ça, quoi. Voilà, là ça va mieux. Marque le double de points par rapport au rouge. L'autre. Allez, bien sûr. Oh putain, encore Ptolémie, mais il se fout de moi là. Je pense en avoir marre, hein, Ptolémie. Il est où le coffre? Ah, d'accord. T'es pas obligé de me suivre, toi. Pourquoi il est en train de me suivre, l'autre? Bon, Physalis, on va en tuer un.
On sait jamais s'il drop un truc sympa. Oh, il a droppé son boucle. Non? Ah ouais. Ah, ça c'est bien ça. Tiens. Attendez. Bah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Putain, mais Ptolémy est en haut? Oh là là, d'accord. C'est ça que ça veut dire? Une partie du niveau en haut. D'accord! Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Oh putain, ça va être chaud. Mais non! Oh putain, on l'a vu. Faut tuer Shogo maintenant. Il est où Shogo? Non, c'est pas lui Shogo. Putain, il doit être en bas. Ah, c'est bon. Notre ami Yoli a dû tuer Shogo. Rang S. Putain, est-ce que j'ai eu le propulseur de Physalis? Ça, c'est très important, ça. Oh, j'ai eu les propulseurs de Physalis. Merveilleux. Oh, on va aller tellement plus vite avec ça. Bon, son bouclier, je suis pas sûr que je l'utilise. Ouais. J'avais pas déjà ça? Bizarre. Ah, quelle mission. Eh bien, dis donc, qu'est-ce qu'on s'amuse? J'espère que ça sera un petit peu plus fun vers la fin du jeu, quand même. On a toujours rien au niveau des armes. Oh putain, il est encore mieux celui-là! Oh bah attends, autant le mettre. Au niveau de la tête. Est-ce qu'on a une nouvelle tête? Je crois que oui. Celle de Virsago, tout ça. Mais ça ne change pas trop. Donc on s'en fout. Là par contre au niveau du corps. Ouais. J'imagine ça sera surtout au niveau du jetpack, backpack. On pourra mettre le machin Physalis. Ou au niveau des bras, c'est toujours pareil. Au niveau des jambes.
Ouais, non. Non. Et donc le backpack. Le fameux backpack. Ce physaliste, il a un gros boost quand même. Au niveau du. Efferente, ça me dit quelque chose, ça. J'ai des capacités de structure. Structure équilibrée, ok. Putain, mais il y a des niveaux pour ça? Dégâts d'armes à distance augmentée. On va mettre ça, ouais. J'ai pas assez de dégâts à distance. Surtout quand il y a des boss. Ah, la propulsion. Vitesse de boost. Non, récupération de la propulsion, c'est peut-être mieux, ouais. Mais du coup, où est mon truc de physalis là? C'est le corps? Merde, c'est ça? Merde, j'ai pas eu son boost en fait. Ah, j'ai eu ses bras. Et merde. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Putain la vache. À cause du bouclier, on est énorme. C'est con, j'aimerais bien un rocket launcher aussi. Genre d'un petit Zaku. Je veux pas un truc non plus parce... Après, genre... L'arme nucléaire de Physalis et tout. C'est sympatoche, mais bon, vu qu'à chaque tir, elle est obligée de se recharger pendant 1 minute, je suis pas sûr qu'on puisse beaucoup l'utiliser. Bon. En tout cas, je vais faire une petite pause. Voilà, c'est sympatoche, mais bon. Ça s'améliore petit à petit, hein, j'ai l'impression. Mais je pense que... Ça aurait pu être un petit peu mieux au niveau du jeu lui-même. Malheureusement, structure interne. Ah, les conteneurs dorés. Bah, on n'en a vu aucun, hein, vu qu'à chaque fois c'est notre partenaire qui les ouvre. C'est assez bizarre ça. PV de la pièce. Le G-cube. Ok, récupération de pièces essentielles. Construction. Ah, ok. Ok, ça dépend surtout de la structure. Peut-être qu'il vaudrait mieux que j'essaye artilleur. Ouais. C'est vrai que j'attaque. Enfin, ouais, mais non, ouais. Parce que surtout les boss que j'attaque avec les lasers, donc les ennemis en général, c'est plutôt les attaques de corps à corps. Ah d'accord, j'avais pas vu ça. Oh, tous ces personnages qu'on n'a pas découverts encore, oh là là! C'est incroyable. Que de suspense. Et bien sur ce, on va se dire à très bientôt. On va juste prendre une pause pas mal. Oh, c'est pas mal. Ha!
c'est énorme. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Avec le beam. Laser beam. Il y a pas mal des poses. Ah, c'est pas mal ça. J'aime bien. Changer de fond. Ouais. Arrière-plan. Ça peut être sympa ça. Ce Gundam Base Tokyo. LB, on peut changer le bouclier. Ah, on peut juste l'enlever. Oh, il y a quand même les ombres, hein, du bouclier. Ah, quand même, quand même. Voilà, on va se prendre un petit screen comme ça. Pipou. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.